J'ai vraiment aimé comment qu'elle est vivante, c'est vraiment quand on joue, c'est vraiment comme. Un projet comme ça, c'est un projet de persévérance, c'est un projet pour contrer le décrochage scolaire et c'est un projet de vision du futur parce que le jeune sort d'une semaine à Cuba où on a fait les tournées avec les spectacles qu'on a vus, les contacts humains, a le goût de revenir, a le goût de faire de l'international. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont faire de l'international par la suite. Non. C'était un échange humain incroyable. Arrivés ici, ils ont eu un choc. Ils ont eu un choc culturel et c'était très bien. C'était une très belle expérience d'eux. C'est le voyage de notre école qui a le mieux fonctionné. Ils ont été d'une gentillesse avec les gens. Ils se sont comportés impeccablement. Bref, tout a été vraiment positif. Les guides ont été magnifiques. Nous avons des guides cubains. Parce que ce sont deux filles pour nous. Elles savent comment travailler avec les enfants. Atelier de percussion qui a été extrêmement apprécié par les jeunes. Ils ont adoré. Excellent. Puis
on a fait beaucoup de concerts différents, puis des activités, mais il y en a une qui m'a vraiment marquée, puis c'est mon échange avec le groupe Nouvelle Voix. C'était vraiment une expérience magique à date. Musique afro-cubaine qui était bien placée, magnifiquement faite, d'une intensité humaine incroyable. Les jeunes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. On passe de très jolis moments. On partage nos moments canadiens et aussi cubains. Connaissent les enfants cubains, sa manière de vivre, comment font ses études, comment se comportent dans une école d'art, même soit de musique, soit de danse. Et aussi, on la passe très bien ici à Cuba. Ce qu'on a appris à Cuba, la salsa.